Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Je vous propose de l'invocation puisque le nouveau festival Dokkan est arrivé avec le seul, l'unique, le grand, le plus beau, le Goku Ultra Instinct. Et rien que pour ça, voilà, on se met la petite OST remixée en fond parce que c'est une obligation aujourd'hui. Il est magnifique ce Goku, il est tout simplement magnifique. Regardez-moi ce regard de tueur. Quand vous le voyez, vous regardez de cette manière-là, vous dites que c'est pas possible de passer à côté. Tu peux pas ne pas invoquer sur ce portail-là. Dans le sens où c'est Goku Ultra Instinct et tu peux que aimer cette forme de Goku. Tu vois, je pense, j'ai pas croisé encore un seul type qui m'a dit « Oh, ben, cette nouvelle transformation ou cette nouvelle forme de Goku, elle est dégueulasse. » Non, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Il est tout simplement magnifique comme ça. Donc du coup, on va invoquer système d'invocation un peu particulier puisque j'ai fait une première single donc qui m'a coûté, je crois, 5 pierres du dragon. Là, on a une multi à 15, ensuite peut-être 30, 50, je sais pas du tout. Apparemment, on obtient des tickets à chaque fois qu'on invoque. Les tickets qui vont nous permettre ensuite d'aller invoquer, eh bien, du coup, sur le même portail, mais avec les tickets, et qui nous garantit un perso SSR au bout de 5 singles ou au bout d'une multi-invocation avec 5 personnages à l'intérieur. Donc franchement, on est plutôt gâté sur ça. Et puis surtout que dans le portail, dans le détecteur surtout, eh bien bon, vous avez le Goku Ultra Instinct qui est le leader de la catégorie d'une nouvelle catégorie. Alors je sais plus ce que c'est le nom. Je crois que c'est Dimension des Dieux ou une connerie comme ça. Donc c'est le leader de cette catégorie là. Vous avez ce Goku. Derrière, on a le Gogeta Intelligence que je n'ai toujours pas, que je veux et dont j'ai besoin pour ma Team Fusion. Donc du coup, bah pour moi c'est d'une pierre deux coups. Tu vois, j'ai envie de te dire, ce portail là, il faut que j'invoque dessus. C'est comme celui de Gotenks, il fallait que j'invoque dessus pour avoir soit le Goku Super Saiyan 3 technique ou le Gotenks. Bon, j'en ai eu qu'un des deux, j'aurais bien aimé avoir les deux, mais bon, j'en ai eu un seul, je m'en contenterai. Derrière, bon, Kid Buu, je l'ai toujours pas, le Kid Buu Intelligence, mais en soi, c'est pas le personnage que je recherche le plus. Jubai, je l'ai déjà à 100%, donc pas besoin. Vegeta Buu, ben un petit triplon, pourquoi pas, puisqu'il rentre dans la catégorie du Goku Ultra Instinct. Nous avons le SVB, bon, que j'ai 100%. Rosé, ben je pourrais, il m'en manque un dernier. Pareil pour Gata Isama. Parce que du coup, c'est même pas Gata, si ? Bon, enfin, pour Zamasu, on va dire, pareil, les deux, la Rosée Zamasu, en gros, il me manque un dernier personnage, du coup, je les ai 100%, et Beerus, je prends un petit doublon encore, je dirais pas non, c'est dommage qu'ils mettent pas de portail avec des vieux Kai, par contre, parce que, malheureusement, je suis un peu en crise de vieux Kai, mais écoutez, en attendant, il est l'heure d'invoquer, on perd pas plus de temps, le suspense a assez duré, 3, 2, 1, Machalux. C'est parti. Donc là, c'est la multi à 15, donc je suppose qu'il y a 3 personnages, hein, vu que c'est 15. On a un Satin gauche. Oh, peut-être un bye-bye, les gars, ou pas? Est-ce qu'on peut avoir un bye-bye, les gars, ou pas? Eh ben non! C'est dommage! Allez, Super Saiyan 1, 2, et ça sera uniquement 2. Bon, c'est une multi à 3 personnages, donc on s'attend pas non plus à avoir du très très lourd dedans. On connaît ma chance, la chance qui m'a un peu abandonné depuis quelques mois sur Dokkan. C'est 18, Videl, très bien, et le dernier... Ok, C17. Alors ce C17, j'en peux plus parce que j'en ai des tonnes et des tonnes de ce C17. Il est vraiment horrible. Il est vraiment horrible. Donc du coup, on obtient un ticket de Noël et un Kame Sennin Père Noël. Alors le Kame Sennin, c'est bien parce que j'ai pas regardé ses stats. On va aller les voir ensuite. D'abord, je remets mes lunettes parce que là, je suis en train de me flinguer les yeux avec la lumière blanche qu'il y a juste à ma gauche. L'éclairage est chelou aujourd'hui dans la vidéo. Hein. Donc là, c'est une multi à 30 qui arrive. Multi à 30. Elle donne 3 tickets, très bien, pour obtenir 7 personnages. D'accord, donc normalement à 30 on en a 6, ils en offrent un bonus, un 7ème. Allez, un Shenron ou pas? Non, mais un Satin à gauche. Peut-être un bye-bye? Eh ben non, ben bien sûr que non, Lilian. Eh non, tu rêves un peu trop. Allez, Super Saiyan 1, 2, et pas de Super Saiyan 3. Malheureusement. Bon, allez, Vegeta. Très bien, c'est pas ouf. C'est 18. On n'est pas content. Ça serait bien d'avoir un petit SSR quand même un jour. Ah! Il est sorti de nulle part, il est là, yes, let's go. Ah, je l'ai pas reconnu au départ, j'ai fait un silence parce que j'étais pas sûr. Yes, il est tombé direct, let's go, Goku Ultra Instinct. Ah, ce beau gosse, il est là. Nice. Ah, je suis trop content. Oui, la chance est de retour. Par contre, la carte, elle est un peu floue, elle est bizarre, elle est dégueulasse, j'ai l'impression. Ah ouais, mais en fait, ça rend pas... En fait, c'est sur mon, bah, c'est sur mon ordinateur. Ça rend grave dégueulasse. Je sais pas pourquoi ça rend dégueulasse comme ça sur mon téléphone, c'est beaucoup mieux. Bon, vous m'excusez. Mais en tout cas, putain, on a le Goku Ultra Instinct. Let's go! Là, on est content. Oui! La chance est revenue. Allez! Le Jubai que j'ai déjà 100%. Putain de merde. Je l'ai déjà 100%. Mais bon, au moins, ça fait quand même de SSR dans la multi.
Et puis le Goku Ultra Instinct, donc je vais pouvoir jouer avec une nouvelle catégorie. Donc on est content. Le 8 sans endurance, on s'en fout. Et le dernier, du coup, c'est un Gohan technique. Non, c'est qui? Ouais, c'est Gohan. Point, 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 point. 3 tickets en plus. Voilà. Ça, c'est une multi qui est pas dégueulasse, tu vois. Je vais même en prendre un petit screen, tu vois. J'ai envie de m'en faire un petit screen parce que, pour moi, bon, même si elle est pas exceptionnelle, cette petite multi, pour moi, c'est beaucoup. Dans le sens où, ben, ces derniers temps, depuis des mois, la chance m'a complètement abandonné. Ben là, enfin, me souris, Goku Ultra Instinct, il me reste 245 pierres du dragon. Je suis un petit peu refait quand même, Bref, retour, on va voir ce qui va se passer. D'accord, en fait c'est des cycles, donc c'est 5, c'était quoi, 5, 10, 30, c'est ça, 5, 10, 30. Donc du coup, bah, là on a une single à faire, pareil pour obtenir des tickets à chaque fois. Donc on va faire 5, 1, 2, 3, 4, ok, très bien. Allez, bon on s'en fout, c'est une single, là on s'en fout, bon on s'attend pas à grand chose sur la single, quoi qu'il arrive. Oh putain, je suis refait, oh, je suis trop content. Et ça sera... Ok, je l'avais pas, lui. Je crois que c'est un support, en plus, non? C'est pas un support, il a pas quelque chose, lui, attends. Le SR Endurance inflige d'énormes dégâts, attaque plus 20% pendant un tour. Ouais, non, mais faudrait que je vois son passif, à lui. Attendez, faut que je vois son passif, parce que je crois qu'il est pas si mauvais que ça. Donc, du coup, on obtient, ok, des tickets, pareil, et des sucres d'orge, plutôt. Je crois que c'est un support, lui. Qui plus 2 et attaque plus 15% pour le type technique et endurance. Ouais, c'est un mini-support, et en plus, il rentre... Ah, dans Dragon Maléfique, il rentre, en plus. Il rentre dans la catégorie Dragon Maléfique. Ah. Il donne, du coup, 15% d'attaque pour Gogeta 4, par exemple, et pour l'endurance, bah, pour Omega, du coup, il va donner aussi 15% d'attaque. Pas mal, ce petit là. Pas mal, je le garde de côté parce que je ne l'avais pas. Et en soi, il peut être utile. Ah non, voilà, c'était 5, 15 et 30. Eh ben, c'est parti. Deuxième cycle. 15 pierres. Oh, Shenron, 15 pierres. 15 pierres, nous avons Shenron. Allez, let's go. 15 pierres, Shenron. Y'a moyen. Allez, franchement, il me donne un doublon de Goku Ultra Instinct et on est refait. Vas-y. Doublon, s'il te plaît. Doublon. Ok, donc là, c'est combien à 15? C'est 3 persos, c'est ça? 3 ou 4 persos, donc Kame Sennin. Ok, Tenshihan, c'est combien? C'est 3 ou 4 persos, je sais plus. Attends, on va vite voir, de toute façon. C'est quoi, ça? Ah non, le Endurance. Ah, le Trunks Endurance dégueulasse. Ah, je vais le donner à mon Trunks Ikari, quoi. Ah, je vais le donner à mon Trunks Ikari, parce que lui, il est horrible. Et c'était 3 personnages. Ah ouais, non, Shenron pour lui, par contre, ah, ça fait mal au cœur. Non, mais c'est pas grave, on a un Goku Ultra Instinct, donc c'est pas grave. Non, mais lui, en soi, je vais le donner à mon Trunks Ikari, du coup, qui n'est pas SP 10. Donc, du coup, ça va permettre d'augmenter petit à petit sa SP à force. Donc, je dis pas non. Et on va utiliser, du coup, 30 pierres du dragon. Shenron ou pas? Non, pas Shenron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 capsules. C'est pas mal, 6 capsules. Arc-en-ciel, Rainbow. Très bien, 6 capsules, Rainbow. On peut éventuellement espérer avoir un truc plutôt cool. SSJ2. Dans le barillet, voyons voir. Ok, Vegeta. C'est Vegeta Endurance, bon, en soi, Osef. Ensuite, Hercule. Donc là, il y a 7 personnages, vu que c'est la multi à 30. Ok, donc Satan, on s'en fout. Ouais, on va y avoir du caca, là. On va avoir du caca, très bien. On sait jamais, mais ouais. Krilin, il en reste un ou deux. Ouais, Yamcha, et je crois que c'était l'avant-dernier. Je crois qu'il en reste un petit dernier. Allez, voyons voir. Et le dernier, oh, le cousin éloigné, ah non, il en restait encore, bon, Yako ou Yakon, bon, la multi à 30 cette fois-ci, bon, elle est pas belle, mais c'est pas grave, parce qu'on obtient des tickets quand même, ce qui fait que, ça va, on est bien quand même, on est bien dans le sens où, avec les tickets, on va pouvoir continuer d'invoquer, après, il faudra les récupérer, on pourra faire des multi avec des SSR garantis, donc ça fait plaisir. Allez, on refait un cycle, du coup, on est reparti. Une invocation à 5 pierres. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 capsules. Très bien. 5 capsules, arc-en-ciel, transformation. Est-ce qu'on pourrait pas venir voir le petit SSJ3, s'il te plaît? Non, ça fait longtemps, le SSJ3. Ça fait bien longtemps que nous ne l'avons pas vu. Et ça sera, du coup, le Son Gohan GT. Ok, qui diminue fortement la défense des adversaires. Donc, en soi, qui est pas trop dégueulasse non plus. On va passer, du coup, sur la multi à 15, avec 3 personnages. Bon, pour le moment, en soi, il y a eu que Goku Ultra Instinct que j'ai eu de bon, en soi. Parce que sinon, après, j'ai eu que de la merde. Quand on y pense, ouais.
En soi, j'ai eu que Goku Ultra. Ah bon, Jubai, allez, Jubai. Mais Jubai, je l'ai déjà 100%, donc quelle utilité de l'avoir à nouveau? Aucune. C'est Baba, tu vois, à moins que je peux le donner à quelqu'un d'autre, mais j'ai un doute. Tenchi Han, très bien. Ok, Yamu. Et pour terminer, ok, Pumba, je sais pas quoi là, Pumbu Kumi Kim là, je sais pas quoi, il est dégueulasse. C'est pas bon ça, c'est pas bon pour le business, c'est pas bon pour le business, monsieur l'arbitre, il va falloir sortir du vrai SSR. Sata à gauche, allez, là c'est la multi à 30, il y a 7 personnages, arc-en-ciel, transformation, on n'aura pas eu de bye-bye les gars malheureusement, hein. Pas de bye-bye les gars, allez, SSJ2, SSJ3, non, pas de SSJ3, on peut quand même espérer avoir une petite SSR là-dedans. Chichi. Chichi chichi, très bien. Gohan, très bien. Trunks, ok. On n'a pas de chance, donc il en reste deux. Piccolo. C'est pas bon ça. Ah non, c'est pas bon ça. Peut-être qu'il en reste un, j'ai pas fait attention, il en reste un. Oh là là. Après, en soi, je me fais quand même bien arnaquer. Hein. Heureusement, j'ai eu le Goku Ultra Instant en départ, parce que là... J'ai l'impression de prendre cher. Ah, et maintenant c'est 50. Ah ouais, d'accord, on a passé le palier. Donc là, il nous reste... ok. Ce qu'on va faire... Est-ce qu'on obtient des tickets là encore si on fait une multi-invocation? Alors déjà, attends, on va voir. On va aller voir, on va récupérer nos tickets. Parce que là, on en a quand même pas mal. On va récupérer les tickets. Bon, les Kamessinines, on est obligé de les laisser dans la boîte parce qu'il va falloir que je vende quelques personnages, hein, vu qu'avec toutes les multis qu'on vient de faire. Par contre, est-ce qu'on peut voir ses stats au Kamessinines? Non, on peut pas voir ses stats. C'est dommage. Très bien, très bien. Parce que je sais pas du tout ce qu'il vaut. On va aller dans multi-invocation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais voir combien j'ai de tickets exactement. J'en ai 15. Ce qui nous permet de faire 3 multi-invocations, 3 petites multi-invocations avec du SSR garanti à chaque fois. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais ça ou pas? Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais une autre multi classique ou pas? Non, on va faire les tickets. On fait les tickets, on fait les 3 multi-invocations. Vas-y, je fais les 3 multi-invocations. Du coup, il y aura minimum 1 SSR par multi-invocation. Minimum 1 SSR. 3, 4... Attends, si j'ai bien invoqué sur le bon portail, mais normalement, c'est celui-là. Il n'y a pas de doute possible. 3 multi-invocations, 3 SSR qui vont tomber. Oh, Super Saiyan 1, même pas Super Saiyan 2. C'est quoi ce délire-là? Bye bye, les gars, avec Super Saiyan 1. Ah putain, ça faisait... Wow. Je l'ai 100% déjà, putain de merde. Ah, je l'ai déjà 100%, j'en ai déjà deux de côté. Oh là là. J'en ai déjà deux de côté, 100% SVB. Ah, peut-être que je vais pouvoir le donner au SVB à l'air plus tard, qui sait, mais... J'ai un doute, quand même. T'as franchement, bye bye les gars, pour SVB, c'est triste. Oh, je l'avais pas! Oui! Let's go! Je l'avais pas! Oui! Oui, 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 oui! Je l'avais pas! Il me le fallait, celui-là aussi! Oui! Bon, on n'a pas de doublon, on n'a rien dessus, mais... Je ne l'avais pas non plus. Oui, putain, nice. On a eu aujourd'hui le Goku Ultra Instinct et le Gogeta Intelligence. Là, on est bien, là. Voilà, là, on est plus que bien. Alors, toi, je vais te lock direct. T'inquiète même pas, poteau. Je m'occupe de toi. Voilà, tu es du coup lock. Ah, je revis. Ah là là, je revis. Bon, le SVB, tu vois, il est venu. Peut-être qu'on le donnera à OLR si on peut lui donner. Le SVB est venu, on était dégoûtés. Par contre, le Gogeta Intelligence qui tombe à la fin. Ça, c'est l'e-sport, ça. Enfin, la chance, enfin, un petit peu de chance. Goku Ultra Instinct, Gogeta Intelligence aujourd'hui. Je peux que être content. Je peux que être content avec tout ça. Allez, voyons voir. Là encore, on a du SSR garanti. Donc, qui sait, peut-être un petit doublon de Goku Ultra Instinct ou de Gogeta Intelligence. Et là, ça serait le plus beau jour de ma vie, limite, tu vois. Donc bon. Allez, un des deux en doublon, Gogeta Intelligence ou Goku Ultra Instinct, un des deux. Et franchement, on est plus que royal. Bon, Docteur Gero. Non, bon ben on va avoir une seule SSR par contre dans celle-là. Une seule SSR. Et ça sera... Ah, Zamasu! Bon, ok, je vais pouvoir le mettre 100%, mais... C'est pas lui que nous attendions. Ce n'est pas lui. On aurait préféré avoir... On aurait préféré avoir un Goku Ultra Instinct encore. Mais bon, c'est pas grave. Allez, Zamasu, très bien. Et donc maintenant, nous allons faire la dernière multi-invocation avec les tickets. Dernière multi avec les tickets. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5... Waouh, 7 capsules. Waouh, ça faisait longtemps. Ça faisait presque 6 mois. Je crois que j'avais pas eu 7 capsules dans une multi-invocation. Je crois que la dernière fois que j'ai eu ça, c'était peut-être sur le portail de SVB. Donc ça fait même plus de 6 mois, je crois. Voyons voir.
Ok, on commence avec Cell. Allez, s'il te plaît. Goku Ultra Instinct ou Gogeta Intelligence. S'il te plaît, le jeu. Ok, Piccolo. Piccolo, Piccolo, Piccolo. Très bien. Allez, next. Tenchihan. Tenchihan, donc du coup, on va avoir un seul SSR. Kakao. Donc du coup, la dernière SSR, elle tombe à la fin. Allez, Luck Jutsu, c'est parti. Oh putain, non! Non! Pas lui! Il sert à rien, lui! Lui, je vais devoir le revendre, lui, je peux le donner à personne! Non! Ah, c'est pas cool! Ah, c'est pas cool du tout! Non! Je peux pas rester là-dessus, je m'en fous! Je craque, je suis un invocateur compulsif et je craque, je fais une multi. Ah, Shenron! Oh putain! Attends, mais ça veut rien dire. Shenron, on connaît les Shenron qui te donnent les SSR les plus pourris du jeu, donc bon. Déjà, le 7 capsules juste avant m'a donné de la grosse merde, donc laisse tomber. Maintenant, il est l'heure de poser les balls et de nous sortir un Goku Ultra Instinct en doublon, plus un Gogeta Intelligence en doublon, et là, on n'en parle plus. Ah, ok, bon. Vegeta, ok. Non, parce que lui, il rentre dans la catégorie, dans la catégorie du Goku Ultra Instinct. Donc, du coup, j'avais un doublon en bas à droite de lui. Je vais pouvoir mettre celui en haut à gauche, sachant que bon, il est pas spé 10, mais il va falloir que je le mette spé 10, du coup. Je pense pas qu'il ait une spé farmable. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Oh oui, le doublon! Wouhou! Le doublon du Gogeta Intelligence! Let's go! Le Gogeta Intelligence! Il est chaud, il est là, il est présent, le Gogeta Intelligence! Oui! Yes! 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 Le doublon du Gogeta Intelligence qui fait plaisir! Il fait plaisir! Oui! Ah, les multis comme ça! Oui! J'en demande plus souvent des multis comme ça! Pourquoi le jeu t'a attendu des années avant de... Hop, je remets l'autofocus. Tain! De m'en donner des comme ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de chance, ça faisait longtemps. Allez, tu termines avec un Goku Ultra Instinct, on n'en parle plus. Ouais, non, bon, après, faut pas trop en demander non plus, tu vois. Faut pas trop, bon, voilà, commando Ginyu. Et du coup, le dernier, ok, le Vegeta SR, intelligence, bon. Bon, bon, bon. Ah. Ah, là, ouais. Non, là, ça fait plaisir, là. Là, pour le coup, ça va, ça fait plaisir. Parce que là, doublon Gogeta Intelligence, ma team Fusion, elle est en train de prendre un petit power-up bien sympathique. Même s'il n'y a pas Gotenks Endurance, pour le moment, eh ben, je peux te dire qu'avec le Gogeta Intelligence, il y a moyen de s'amuser. Donc, on est content. Non, là, pour le coup, on est même très, très content. On est très très content puisqu'on va aller faire le bilan. Il est l'heure de... Assez Milan, je fais le bilan. On va aller sur équipe. On va aller voir la liste des personnages et du coup des SSR que j'ai obtenus. Donc on va enlever tout le reste. Tac, tac, tac. Et du coup, aujourd'hui, voilà les nouveaux SSR que nous avons obtenus. Jubai, Goku Ultra Instinct. Bon, le Trunks, on s'en fout. SVB, on s'en fout, on l'a 100%. Le Gogeta, Zamasu. Bon, le Trunks dégage. Ouais, en soi, ça va. En soi, ça va. Parce qu'encore, j'ai encore 95 pierres de côté que je vais garder. Parce que il y a possibilité qu'il y ait un nouveau portail qui arrive très prochainement aussi. Certainement au jour de Noël. Donc, on sait jamais, ou même pour Nouvel An. On va garder un peu de pierres de côté. Peut-être que je me ferai une multi, mais de mon côté. En tout cas. Bah là, on commence à faire plaisir. Là, on commence à faire plaisir. Et on va pouvoir se faire une bonne petite team déjà avec la catégorie du Goku. On va aller voir d'ailleurs c'est quoi le nom de la catégorie exacte. C'est divin. Voilà, la catégorie divin. Et ensuite, eh bien le power-up sur la team fusion avec le doublon du Gogeta Intelligence qu'il va falloir mettre Spédis. Voilà pour aujourd'hui, pour cette grosse vidéo d'invocation sur Dokkan Battle. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère aussi, eh bien, que la chance était avec vous. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez obtenu dans vos tickets ainsi que dans vos invocations. Je vais vous faire à tous de gros, gros bisous. Passez d'excellentes fêtes et peut-être à très vite pour de nouvelles vidéos invocations sur Dokkan Battle. En attendant, amusez-vous bien. Ciao tout le monde et n'oubliez pas le pouce bleu. Bisous à tous.